Comment nous tout le monde, nous connaissons le dossier kidnapping, c'est parti dossier lié, c'est gros dossier lié en Haïti. Et d'ailleurs, son dossier politique que lié. Donc, pile fois, pile monde a dit que l'or kidnapping n'a monté, c'est parce que gon causé de politique qui poko ka régler. Arusanago lui-même, il était getan identifié kidnapping nan comme zam. Que on série de gros familles qui a fait gros quoi en Haïti, ces armes ça yo utilisé pour bail gouvernement problème. Donc quatre messieurs que n'a regardé là, si yo fait partie de quatre gros familles oligarques qui a fait comme dans pays que Jovenel Moïse toujours a dénoncé. Eh bien monsieur ça c'est yo même qui t'a derrière kidnapping nan en Haïti pour yo bail Jovenel problème. N'attendez à Ousanago. Jean-Yves Aoussanago, pas dans la politique lui-même. C'est sans filtre, Jean-Bagala, il y a Jean-Mouel, c'est comme ça me la gueule. Leslie Thomas, Aoussanago, un grand, je dis en Dieu, que 98% de kidnapping qui a fait dans le pays, c'est le monde qui paraît mes jeunes qui a organisé. Tout net, et bourgeois, qui compte bio, vob la donne, et boulos la donne. Tout le monde que Jovenel attaque, les attaque système, yo mette ensemble avec bandit dans ghetto, ensemble avec les organisations droits de l'homme, yo mette ensemble avec André Michel, et Denel Kassi, les l'huile là, yo tout mette ensemble. Y a organisé mouvement kidnapping. C'est moi Aoussanago qui dit ça. N'a payé tout crime que nous commettons sur le territoire. Je ne vais pas faire sous manchette, je ne vais pas passer à côté, je ne vais pas faire réserve. Tout crime qu'a commet dans le pays là, ou est sorti, ou bien, mon peut parler direct, moi m'a parlé direct. Kounya là, attention, focus sur sur la communauté religieuse. Il a essayé de faire et Vatican, protestants, lever campé. Ce pays a, y a déstabilisé. Politique pas faite dans tes langues. Vous comprenez? Si vous êtes levé, un jour matin, vous jouez une ou deux dans la saloperie, ça, vous êtes pile fatra, vous n'avez pas de kidnapping, ça n'a pas de dire. C'est là, moi, bah, Jovenel Moïse, responsable de ce qu'il a fait là. Mais cependant, moun ki kanpe deye yo kap pase, lòt kap egze, e kap voye moun kidnape, moun kap bagay, se moun ki nan l'opposition yo, moun ki pare men Jovenel yo. Moun apil moun poal kanpe, poal bagay, se moun Aoussanago dil, sak pa kontan. Selon élément de formation qui vient de joindre nous, M. Sayo, pas de cas pareil, Jovenel Moïse, parce que tellement koblate gros nan men yo, Papa yo Préval prend yo mené au Venezuela alsien causé de Petro-Caribé et puis après ça ba yo presque 300 millions de dollars vet chaque année yo remet yo central vare son bagage m'pa ka comprendre comment président fait prend on central qui pour électricité d'Haïti et puis ou remet so général et puis ou paye et puis li ba so général encore 30 millions de dollars US pour aller acheter équipement. Monsieur n'a pas acheté aucun équipement pour 30 millions. Il a acheté équipement usagé pour 10 millions. Reste 20 millions. Il a l'ouvri business Saint-Domingue. Après ça, il a prêté 197 millions de dollars vet gaz. Non, mais BM pad. Il a pas jamais remettre. Il a dit l'État doué. Après ça, pour yo ka touche kob l'État doué, yo prend paquet qu'est-ce que 4 cargaisons. Asphalte que Venezuela te fait payer à cadeau. Yo saisi carrément, yo dit que l'État doué yo, yal van asphalte à Saint-Domingue. En tout cas, en pile causé. C'est ça qui fait que directeur ULCCA, M. Hans Joseph, remet tout dossier ça parce que yo te dit c'est des causes de persécution politique. Et bien, monsieur remet tout dossier pour yo pas dit que c'est lui-même qui a persécuté le monde. Et monsieur rappelez tout le monde que la loi, article 11, l'an dit que lui-même, lui doit exercer la force, même s'il doit, lui doit
exercer l'action publique en mouvement contre moun ki ap vole nan peyi an. Donc, directeur ULCC a dit que lui-même li pa vin baisser les bras. Président Jovenel te choisi pour te combattre corruption. Et c'est ça que la C'est Kounia l'a commencé à accumuler dossier ou est que Jovenel Moïse pas ta capable mourir. Monsieur Terahi Jovenel Moïse juste nan zo. Et c'est ça qui fait que même sénateur, depuis longtemps, depuis presque année passée, il n'y a pas de même connaît si t'as pas fait tentative ça contre Jovenel Moïse. Grand pile sénateur qui était déjà prévoit que tellement dossier ça au gros, tellement enjeu au gros, eh bien, vie Jovenel Moïse, t'es en danger. N'attendez sénateur. Parce que comme ça, combien de millions qu'a parlé? 13 millions, 14 millions, en 15 ans, 200 à 300 millions, je vous garantis. Faut à Dessalines, président Jovenel. Donc, gon deuxième pont rouge qui menace dans le pays. Parce que c'est des gros intérêts qui ont joué. Parce que moi-même, je comprends que c'est un bagage petit lié. Et je t'ai aimé, président, c'est ça, nous médiatiser et surtout intervention technique que l'honorable sénateur Sildon fait et explication que le secrétaire d'État financier, ben là, que mandat secrétaire d'État, rapport technique ça que vous mettez dans le secrétariat pour passer le bas tout honorable sénateur et pour la presse ou copie parce que c'est crime ça y est. C'est un lien direct sur Télépacifique. Même si sa présidence c'est Télépacifique à Bali, ce mandat président, nous demandons plus, nous mettons conditions dans tous les médias, le président, parce que ça, moi-même comme sénateur, qui m'a édifié et me croit son crime ça y est. Donc pour cela. Ceci sera fait. Donc, président, c'est pour nous dans la rue qu'on est clair que bataille sous bataille politique liée et que tuer le président Jovenel, plein pour assassiner le sénateur, pour le parlement, c'est jeudi à me convaincu que moi-même comme sénateur, je ne peux pas mourir et je ne peux pas mourir. Je suis d'accord mourir pour ça. Et demander pour que ce soit mettre un vote pour être nous voter parce que c'est nécessaire pour bien le pays. Même j'entends, président, comment si m'douo, si m'douo paye au président, 24 heures après, 24 heures après, non, l'aide de garantie ça, non, garantie, hein, pour que comme ça, le tire le coup, dans le BRH, sans explication, il n'est pas possible, mes amis. Donc, président, continue. Nous toujours en retard parce que taxes nous n'entre pas en pile pour mettre le pays. Grèce qu'on chante en pile. Et les policiers, policiers, l'école, pas besoin de toucher le président. Et quatre techniques nous gagnons dans l'État. Infirmières, pas besoin de toucher. Pas de jeunes qui courent dans le pays, président. C'est la carte qui vous permet que, eh bien, comme la rentrée, pas toujours gagné par de son. Si gouvernemental, prédécesseur, yo. Mais démissionner pour un dossier bien déterminé. C'est la politique, dossier énergie qui a un rapport dans le pays. Il y a trois compagnies qui sont détenteurs de contrats qui fait en dehors de la loi près de 10 à 12 millions de dollars chaque mois que a touché. Est-ce que, ou même, et m'a dit pour Nation et pour collègues assemblés, que moi-même, moi mené une enquête sur dossier ça, il y a une compagnie ça, qui a une dette de 154 millions de dollars et na, a, pour BMPAD, et comme ça, c'est Fonds Pétro-Caribé. Fonds Pétro-Caribé. 154 millions, et c'est la Sogener. Deuxième, même tout, dis-nous que je ne suis pas peur, personne. Collègue Alfredo, ok. Continuez. Pour. Collègue Alfredo. Président et Premier ministre nommé ou gagnant politique, énoncé de politique générale. Tout point que moi marqué là-dedans. Là. Collègue Alfredo. Agriculture. Un instant. Et président qui a mené ces instants. Et collègue Alfredo, cité non trois compagnies qui gagnent des contrats en pays. Les cités une, les pas cité l'autre deux. Donc l'Assemblée a bien aimé qu'on est. Merci. Il y a trois compagnies.
je suis maître de ma parole. Nous ne voulons pas attaquer personne au détriment de personne. Merci. Écoute, président, vous n'êtes pas là pour défendre ces compagnies. Ok? Sous ces défenseurs compagnies, prends responsabilité. Prends responsabilité devant la nation. J'ai parlé de ce génère que ancien madame président, fait madame président Préval, a dirigé. Si vous voulez défendre, défendre. Et m'a parlé de Etchak, mes documents. Et m'a parlé de e-power, comme des documents. Chaque mois, qui a pris 12 millions de dollars. Et qui est-ce qui a ciblé? C'est député qui a volé l'argent peuple. C'est député qui a détourné fonds. C'est au profit de ces et Haïti, pas jamais gagné sécurité. Pays a pas jamais gagné sécurité. Tout autant que compagnie ça a toujours gagné turbulence. Il a monté. Nous, nèg, nous, écoute, nèg, nous, même pas jamais une question raciste avec moun. Ok? Donc, question pour 24 sur 24, la président, gagné un accord qui déposé dans le Parlement, dont vous-même, comme président Chambre des députés et président Sénat, nous avons responsabilité pour nous convoquer l'Assemblée. En Assemblée nationale, nous allons faire. Il faut que le peuple soit au courant. Mali, pour nous, c'est ça. Je vais voter gouvernement si vous pouvez me garantir que le Congrès Sahara a dénoncé. Et mes chers collègues, pour votre édification, menez en pile enquête sur ça. Et quel que soit de 2008 à 2000 à date, quel que soit le monde qui était ministre finance, qui était ministre travaux publics, qui était directeur IDH, tout est doué à la pénitentiaire nationale avec accord ça. Je vais dénoncer que chaque mois, pays a payé 12 millions de dollars. Même si pays l'autre, Banque centrale, il y a une lettre de crédit que c'est deux compagnies, il y a deux compagnies qui ont une lettre de crédit. Sogener et e-power, ils ont détentrice de lettre de crédit. Même le que yo poko, même les pays lock, Banque centrale, obligé de payer. Yo. Donc pour ça, je suis prêt. Mes enfants, ma famille, pour ces contrats-là, moi je les dénonce et Premier ministre, vous avez 38 ans, j'ai 46 ans. On ne m'a pas fait faveur. C'est la population de Kiskov qui va voter. Ok? Moun qui est dans la section communale, qui paye l'électricité, qui paye courant, qui a vivre dans un archaïque, qui a fait besoin à même le sol, dans la section communale. Jean député, nous, député Alfredo, ce n'est pas comme ça que madame, toute madame, qui a vivre dans la pauvreté, avec si contrat ça, que ministre finance, ministre travaux publics, et directeur NH toujours quitté contre Saoula. Si vous ne pouvez pas garantir ça, ce n'est pas votre pas Alfredo Wabguer. Merci. Mal.